estaré contigo cuando tú lo quieras, en el crudo invierno o en la primavera, cuando necesites volar a otro mundo en un beso alado, sediento y profundo. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, que la vida acaba en cualquier momento. No quiero enterarme que me has extrañado cuando ya no pueda volver a tu lado. Que no pase tanto, tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Doucement, doucement. Ça fait mal. J'imagine. Allez, asseyez-vous. Attention, attention, attention. Je vais appeler un taxi pour qu'on aille vite à la clinique, d'accord? Ouais, d'accord. Il me faut quelque chose. J'espère que tu vas me remercier de t'avoir fait sortir de prison. Carlos, comment va Adrian? S'il te plaît, je t'en prie, traite-le bien. C'est mon petit garçon. Il a besoin d'amour. Prends soin de lui, s'il te plaît. Ce n'est pas un jouet, c'est un enfant. Je t'en supplie. Je suppose que tu aimerais le voir. Et tu vas me laisser faire? Bien sûr, tu es sa mère. Le petit a besoin de toi. Tu lui manques terriblement. Ça me fait de la peine de le voir pleurer. Arrête, Carlos, s'il te plaît. Laisse-moi être avec lui, je t'en supplie. Je te jure que je ne recommencerai pas. Je ferai n'importe quoi, mais... laisse-moi voir mon enfant. Bon, si t'es prête à faire n'importe quoi, sache que la fréquentation de mon club a chuté. J'ai besoin de chair fraîche et... pour être honnête, t'es encore très belle. Non, pas ça, Carlos. Si tu veux voir ton fils, voilà ce que tu dois faire. Tiens-moi au courant. Mais... Victor les a menacés de tout raconter s'ils n'abandonnaient pas les charges. Franchement, il a vraiment eu beaucoup de courage pour leur tenir tête ainsi. Oh oui. Mon frère a beaucoup changé, maître. Il est différent. Vous n'imaginez pas combien j'ai envie de le voir, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait. Oui, j'imagine, mais vous le ferez quand vous aurez vu un médecin. Non. Je vais leur dire qu'on est là. Est-ce que vous voulez quelque chose? Non, non, merci, ça va. Sûr? Je reviens. C'est quoi le problème? Adrian s'est enfui. Quoi? Caro, je suis contente que tu sois libre. Ah, merci. Quand Isabelle m'a dit ce qu'a fait Victor, j'ai trouvé ça incroyable. Oui, comment il va? L'avocate m'a dit qu'il s'était fait tabasser. Oui. Est-ce que c'est grave? C'était sérieux, je ne vais pas te mentir. Mais Isabelle s'est assurée qu'il ait les meilleurs soins. Elle prenait tout le temps de ses nouvelles et il va mieux maintenant. Il va pouvoir rentrer. Ah, oh, Dieu merci. J'irai le voir bientôt. Et toi, comment ça va? Je suis contente de te voir. Et est-ce que tu as vu mon fils? Oui, il est avec Carlos. Ne t'inquiète pas. Je suis rentrée pour m'occuper de lui. Est-ce que c'est vrai qu'il pleure à cause de moi? Qui te l'a dit? Carlos, tu lui as parlé? Il t'a dit quoi? Oh, rien.
S'il te plaît, je t'en supplie, dis à mon fils que je l'aime et qu'il ne doit surtout pas pleurer. Dis-lui qu'on va bientôt se retrouver. Dis-lui, je t'en prie. C'est la chose la plus humiliante qui me soit jamais arrivée. On m'a jamais traité comme ça de toute ma vie. Je t'avais prévenu. Il ne l'aime même pas, frérot. Elle s'est mise avec lui juste pour me rendre jaloux. Et on dirait que ça fonctionne. Regarde-toi et mais je vais pas entrer dans son jeu. Ça, non. Uriel, tout ça n'a rien d'un jeu. Tu vas bientôt être papa. Vous vous comportez tous les deux comme des adolescents prépubères. Oui, mais tu sais que je peux pas retourner avec elle, Andrés. Uriel, je suis de ton côté. Tu sais quoi? C'est fini. Plus personne ne me marchera jamais sur les pieds. Elle cherchait quoi? Un jeune millionnaire célibataire et respecté? Alors c'est ce que je vais devenir. Et je ne la regarderai même plus. Quant à mon fils, dès qu'il sera né, je lui enseignerai que personne ne peut se moquer de nous. Il doit manquer des informations. Il ne peut pas y avoir que ça. Eh bien, il n'y a rien d'autre et c'est tout ce qu'on m'a donné. Et le notaire n'a pas parlé d'autre chose. Il faut qu'on vérifie bien tous les comptes que ton père avait ouverts. Il doit en manquer un et l'argent doit être dessus. Mais qui a géré l'argent de mon père? Ou du moins son testament? Oh, 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 oh. Je sens que tu vas devenir une grande femme d'affaires, mais qui sait si tu seras une bonne mère? Pourquoi tu dis ça? Bien, ceux qui sont dans les affaires ont parfois du mal à garder une famille soudée. Quand le moment viendra, j'espère que tu feras passer ta famille avant les affaires et que tu laisseras quelqu'un s'occuper de toutes ces choses. Isabelle et Daniel vont m'aider. Je leur ai parlé et ils ont proposé de m'aider. Grâce à eux, je saurai où est l'argent manquant. Si cette Alejandra commence à enquêter, elle découvrira que je suis l'administrateur de tout son héritage. Et la connaissant, elle ne lâchera pas. Encore moins maintenant qu'elle a besoin d'argent. Elle est enceinte. Ils ont rompu. Mais elle ne l'a pas dit à son oncle et à sa tante. Malgré ça, et en sachant qu'elle est enceinte d'un autre, tu sors encore avec? Tu peux m'expliquer un peu où est-ce que t'as la tête, Jerry? Je sais pas, papa. Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'est faite larguer et que je lui ai demandé une chance. Et c'est seulement après qu'elle ait accepté que j'ai tout découvert, je pouvais plus reculer. Et maintenant, tu te retrouves dans cette situation! C'est vrai. Pauvre petite. Mais sa situation est la seule chose qui nous évitera de finir derrière les barreaux. C'est tout! T'es au courant? Carolina est libre. Ah oui, chérie, ton idée a marché. Et ton idée aussi. Ah, je viens de voir Sergio. Il est très content parce que l'aile publique ne sera pas fermée. Je sais. J'espère que ça l'aidera à nous pardonner un petit peu. Ah oui, j'en suis certain. Oui. Alors, tu es prête à parler à mes parents? Ma mère va hurler à la mort, alors il vaudrait mieux que tu sois préparée à ça. Je suis prête et je comprends parfaitement. Et je sais que ta mère le prendra mal, c'est ton père qui m'inquiète. J'ai peur de voir son visage inquiet. Non. Je ne veux pas lui faire. T'inquiète pas, il ne lui arrivera rien, t'en fais pas. Et quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. Je t'aime tant. Moi encore plus. Je savais pas que tu étais occupée, Isabelle. Ça va, désolée. Bonjour, Sylvia. Je passais juste pour te dire que j'ai amené Carolina parce qu'elle se sentait mal. Comment ça? Elle est en train de se faire examiner par un docteur et je pensais que ça pourrait t'intéresser. Ok, merci beaucoup. Je vais lui rendre visite. On se voit demain? Bien sûr, oui. Bon, au revoir, Daniel. Merci pour tout, maître. Je vous suis très reconnaissant. De rien. Portez-vous bien. Merci.
Je vais voir Caroline. Je viens aussi. Viens. Vous voyez? Quoi? Les douleurs que vous ressentez sont occasionnées par ce prolapsus. Quoi? Je peux? Je suis... Pardon, docteur. Je croyais que vous aviez fini d'examiner Carolina. Je vais attendre. Il est fort probable que tout ce stress vous affecte, Carolina. Si vous voulez que votre bébé aille bien, vous devez ralentir votre rythme. Et essayer de vous détendre. Seigneur, pour tout vous dire, j'espérais que ce soit une fausse alerte. Votre grossesse est bien réelle. Mais vous avez encore pas mal de temps pour prendre une décision. Merci, docteur. Caro, il faut que je sache si ce que je viens de voir... Tu es enceinte? Je préfère ne pas en parler. Et encore moins avec toi. Je te supplie de ne rien dire à personne, d'accord? Mais à personne! Ça ne regarde que moi, et tu n'as aucune raison d'en parler. Tu m'as déjà volé mon homme, alors... J'espère que tu sauras au moins te taire. Depuis quand tu le sais? Tu viens de l'apprendre? Tu comptes mettre Daniel au courant? Ça ne te regarde pas, c'est moi qui suis enceinte, alors c'est... C'est mon problème, d'accord? Toi, tu as Daniel. Alors garde-le et... Fiche-moi la paix. Carolina, tu vas bien? Sylvia a dit que tu te sentais mal. C'est rien, c'est le stress, mais ça va aller. Je suis soulagé. Moi aussi, au revoir. Non, attends, on va te ramener chez toi. Non, c'est inutile, Daniel, je t'ai dit que j'allais bien. De toute façon, je dois aller voir mon frère. Carolina ne me pardonnera jamais, mais au moins, elle va bien, hein? Je pense que... il faudrait que tu lui parles. Pourquoi? Elle dit que c'est le stress, et je la crois. Réfléchis avec ce qui s'est passé. Elle doit être très inquiète pour Adriane, c'est une très bonne mère. Elle a toujours placé son fils avant tout le reste. Le truc, c'est que j'aurais aimé trouver un moyen de forcer Carlos à lui rendre le petit. C'est vraiment la seule chose qui la calmerait et qui lui permettrait d'avancer dans sa vie. Non. Pourquoi pas? Il y a un problème avec Carolina? Vous vous êtes disputé? Dis-moi s'il s'est passé quelque chose. On ne s'est pas disputé, Carolina n'a pas voulu me parler. Ah, d'accord. Alors c'est ça qui t'inquiète. Comprends-la, Carolina est très fière, et vu ce qu'il se passe avec Adriane, c'est normal qu'elle agisse ainsi. Mais ça ne doit pas t'affecter, chérie. Je veux te voir heureuse, surtout maintenant qu'on va parler à mes parents. Je ne pense pas. Que ce soit le bon moment pour parler à tes parents. Quoi? C'était surtout ton idée. J'ai changé d'avis. Crois-moi, ce n'est pas le moment. Ce que tu as fait était incroyable. Tu t'es comporté comme un homme responsable. Merci. Je te devais bien ça. C'est moi qui t'ai mise dans le pétrin. Et c'est ma faute si on t'a accusé d'enlèvement. Tout ça, c'est du passé, et tu as réglé ça. J'ai vu le docteur et il m'a dit que tu pourras sortir dès demain matin. Ok. Tu sais, je pensais aller à Santa Germa. Il y a peut-être du travail là-bas. Tu pourrais aussi rentrer à la maison avec ta sœur. La maison va être vraiment triste et vide sans Adriane. J'ai besoin de sentir que j'ai encore une famille. Ouais, c'est ce que je veux aussi. Je te promets de ne plus refaire quelque chose de stupide. Tu en es sûr? Ça me fait plaisir parce que... j'ai tellement besoin de ton soutien. Je t'aime, mon Victor. J'ai de la chance de t'avoir. Ah oui? Oui. Oh, pardon. Ça va? Excuse-moi. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Écoute, tu étais prête à aller tout raconter. C'est toi qui voulais qu'on arrête de cacher notre amour, alors pourquoi Pardon, tu as... Je me suis rendu compte que je n'étais pas encore prête. Mais c'était ton idée de parler à mes parents. Et maintenant j'ai des doutes. Je suis toujours mariée à Hannibal, et je n'ai pas l'acte de divorce.
Et ta mère se soucie de ce que pensent les autres. Pourquoi tu n'es pas honnête? Pourquoi tu ne me dis pas ce qu'il y a? Parce que... Non, c'est juste que je ne peux pas le faire. C'est trop. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Où il est? Où est qui? En fait, Adrian est introuvable. Quoi? Comment ça, introuvable? Je te l'ai confié. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu devais le protéger. Comment tu as fait pour le perdre? Tu es un imbécile. Comment tu as pu? S'il lui arrive quelque chose, ce sera ta faute. Maman! Ouvre-moi! Maman! Oh, Adrian! Maman! Oh, te voilà, mon chéri. Oh, mon bébé, j'ai eu tellement peur pour toi. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas partir tout seul à cette heure-ci. C'est trop dangereux. Je veux rester avec toi, maman, s'il te plaît. Me laisse pas avec lui. Oh, mon amour. Je suis ton père. Tu viens avec moi, que ça te plaise ou non. Viens, chérie. Où tu vas avec lui? Où je vais? Je vais le changer, le laver, le nourrir. Attends ici, si tu veux. Sinon, tu t'en vas. Je vais chercher la police. Vas-y, bonne idée. Comme ça, ils verront comment tu traites ton enfant. Espèce de monstre. Viens, chérie. Surveille-la. Je reviens. Tu restes le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois quelqu'un d'autre? Ne me dis pas que tu couches avec Amador. C'est pour ça qu'il t'aide? Amador est fou de moi, je ne vais pas le nier. Mais... vous ne jouez pas dans la même cour, chérie. Et ne t'énerve pas. Tu sais que ça me fait perdre la tête. C'est pour ça que je t'ai appelée, pour que tu reviennes. Ne joue pas avec moi, Olga, c'est une mauvaise idée. Alors, je peux jouer avec Amador? Je t'assure que ça nous serait profitable. Regarde. Je sais tout. Le maire et toi, vous êtes les investisseurs qui achetez les propriétés qui se trouvent là où l'autoroute sera bientôt construite. Comment t'as eu ça? Tu crois que ça a été difficile de saouler Amador? Il m'a tout raconté. Je sais même que si tout ça était rendu public, vous seriez tous les deux finis. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je veux juste te montrer que tu es ce qui compte le plus pour moi et que je ne te trahirai pas si tu te comportes bien. Aussi, je m'inquiète pour Isabelle. J'imagine qu'elle souffre à cause d'Hannibal. Un divorce n'est pas facile à surmonter, surtout quand l'amour était aussi fort. Isabelle ne l'aime plus. Non, c'est peut-être ce qu'elle veut que les gens croient pour atténuer la douleur. Mais elle était très amoureuse d'Hannibal à leur arrivée. Maintenant que le divorce est signé, c'est là que ses véritables sentiments vont refaire surface. Maintenant, Isabelle va savoir si elle l'a vraiment oublié ou si elle est encore amoureuse d'Hannibal. Thank you.
chéri. Chut. Tu souffres beaucoup à cause de moi. S'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Je ne peux pas faire souffrir un autre enfant. Ce serait injuste. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mon Dieu. Chut, il faut pas le réveiller. Carlos est revenu. Je vais lui parler. Ok. Bon courage. Chut, ne le réveille pas. Et le petit? Il s'est endormi. S'il te plaît, laisse-le rester, au moins pour cette nuit. Non. Ne m'oblige pas à aller le chercher. Bon, et si j'accepte de danser dans ton club dégoûtant, là? Vraiment? Tu ferais ça? N'oublie pas qu'il y a un service complet. Je viens danser. Pour commencer... Je viendrai chercher le gosse demain matin. Sois prête, je t'emmènerai et on préparera tout. Tu seras l'attraction principale. Il vaut mieux que tu ne laisses pas tomber.